Vous êtes sur RTL. Jamais. 7h30, c'est le Tout Info de RTL avec vous, Yann Boucherie. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 11 octobre. Et tout d'abord, cet appel mondial à résoudre la crise climatique dans la décennie actuelle. Pendant 5 heures hier sur YouTube, une cinquantaine de personnalités du monde entier ont eu à cœur de souligner les risques encourus par la planète en cas d'inaction prolongée. Parmi les participants, le pape François, l'actrice Jane Fonda ou encore le prince William d'Angleterre. This oak tree is close to Windsor Castle. 39 monarchs have lived here. Ce chêne, dans le parc de Windsor, a vu passer 39 monarques. Il a été planté il y a près de 1000 ans, du temps de Guillaume le Conquérant. Depuis, près de 35 milliards d'humains ont vécu sur la Terre. Pendant le règne de ma grand-mère, environ 90 ans, notre impact sur la Terre a mis en péril nos océans, l'air, la nature. La mobilisation contre le Covid-19 a montré ce que nous pouvons faire. Bâtir des hôpitaux du jour au lendemain, mettre des milliards pour les vaccins. C'est cet esprit, ce génie, qui peut nous permettre de réparer notre planète. Le prince William d'Angleterre, de son côté, le pape a exhorté les hommes de toute confession à protéger la planète. La terre doit être travaillée, cultivée et soignée. Nous ne pouvons continuer à la presser comme une orange, a conclu le souverain pontife. Et Yann, autre appel dans l'actualité également, l'appel aux bénévoles lancé par SOS Amitié. Oui, l'association assure une permanence téléphonique pour écouter les personnes en détresse psychologique, mais elle manque de bras ou plutôt d'oreilles. L'apparition du coronavirus a rendu la solitude encore plus anxiogène. Alain Mathieu est le président fédéral de SOS Amitié. Au début de la crise, on a eu une recrudescence énorme d'appels. On était à peu près à 6000 appels jour avant la crise. On est passé à 8000 assez vite. Et notre problème, c'est qu'on n'a pas assez d'écoutants pour répondre à tous les appels. On répondait à peu près à un appel sur trois avant la crise et maintenant on répond à moins que ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne nationale. Alors, on reçoit tous les appels habituels, plus tous ceux qui souffrent beaucoup de cet isolement qui leur est imposé. Il y a tous les âges. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes appellent quand même beaucoup plus qu'avant. Des propos recueillis par Aurélia Valarié pour RTL. Nouveau record hier avec près de 27 000 personnes testées positives au coronavirus en 24 heures et la hausse du nombre de malades en réanimation s'est poursuivie selon Santé publique France. À l'étranger, le Brésil a dépassé hier le seuil des 150 000 morts et plus de 5 millions de personnes sont contaminées. Donald Trump, lui, n'est plus contagieux. Déclaration de son médecin Sean Conley cette nuit, 9 jours après son test positif au Covid-19. Le président qui a prononcé une allocution sur un balcon de la Maison-Blanche, « Je vais bien », a-t-il dit. Une intervention d'une vingtaine de minutes à peine au cours de laquelle il a exhorté ses électeurs à se rendre aux urnes le 3 novembre et lancé un message à destination des Noirs américains. C'est une réalité. J'ai fait plus pour la communauté noire que n'importe quel président depuis Abraham Lincoln. Personne ne peut le contester. Personne, a dit Donald Trump, qui va reprendre sa campagne tambour battant cette semaine avec des meetings demain en Floride, mardi en Pennsylvanie et mercredi dans l'Iowa. Yann, en France, à un an et demi de la présidentielle maintenant, 1000 responsables politiques, intellectuels et syndicalistes appellent à une candidature commune à gauche. Et dans cette pétition en ligne, ils réclament une alternative écologiste, sociale et démocratique face à un paysage morcelé. Parmi les signataires, Damien Carême, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Je pense que tous les prétendants aujourd'hui à cette élection présidentielle de gauche sont suffisamment intelligents pour se rendre compte du défi qui est devant nous et donc de se mettre à un moment autour de la table. Ce qu'il faut, c'est donner un espoir à la population française en bâtissant un programme qui prenne en compte les urgences sociales, les urgences écologiques dans notre pays. On voit bien qu'aujourd'hui, ce pays est gouverné que pour des intérêts privés. Pour ça, il faut qu'on arrive à s'entendre pour éviter qu'effectivement, on ait un deuxième tour à l'élection présidentielle Macron-Le Pen. L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Damien Carême, joint pour RTL par Valentin Boisset. Voilà un sujet qui va intéresser l'ancien président de la République, François Hollande, qui est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche. Grand jury qui fête cette semaine ses 40 ans d'existence. Le rendez-vous à ne pas manquer donc, midi, 13h, tout à l'heure. En bref, un accident rarissime entre un ULM et un avion de tourisme. 4 personnes au moins sont mortes hier. La collision s'est produite au-dessus de Loches, en Indre-et-Loire, aux alentours de 17h. Les passagers profitaient a priori d'un ciel dégagé pour survoler les châteaux de la Loire. On ignore
ignore encore les raisons de ce télescopage. Roland-Garros, ça va cogner cet après-midi, porte d'Auteuil, et je ne parle pas du soleil. En finale de titan entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, s'il remporte un 13e Roland-Garros, Nadal égalera le record de 20 grands chelems de Roger Federer. Si Djokovic s'impose, après 2016, il deviendra le premier joueur de l'ère Open à remporter au moins deux fois chaque tournoi du grand chelem. Finale indécise selon l'ancien joueur Fabrice Santoro. C'est un match qui est extrêmement ouvert, difficile de détacher vraiment un favori. Je ne vois pas l'un des deux joueurs s'imposer facilement, je ne vois pas un match à sens unique. Ça sera une bagarre, ça sera la faculté de l'un ou l'autre à remporter les points qui font la différence, les balles de break notamment. Donc un match très serré, mais je pense quand même que Novak Djokovic est le seul joueur au monde à savoir comment aborder Rafael Nadal sur terre battue. Il sera légèrement favori selon moi, mais encore une fois, ça ne va pas se jouer sur des statistiques ou sur un historique ou quoi que ce soit, ça va se jouer sur 4-5 points et que l'un ou l'autre remportera. Fabrice Santoro avec Isabelle Langer, une finale à suivre dès 15h et toutes les demi-heures sur RTL. Hier, chez les filles, Iga Świątek est devenue à 19 ans la première polonaise à remporter un grand chelem. En finale, elle a dominé 6-4, 6-1 l'américaine Sofia Kenin. Le foot affiche de prestige ce soir au Stade de France entre les Bleus et le Portugal. Une revanche de l'Euro 2016 où les coéquipiers de Cristiano Ronaldo s'étaient imposés 1-0 en finale à Paris. On s'en souvient, France-Portugal à vivre ce soir 20h45 sur RTL et sur M6. Et le consultant M6 RTL, Robert Pires sera avec nous tout à l'heure à 9h10 pour évoquer la confrontation du soir, excusez du peu, entre le champion du monde et le champion d'Europe en titre. Le rugby à présent, top 14, victoire de Toulouse hier au Racing 30-24, du Stade français à Agen 20-3 et de Toulon devant Montpellier 25-21. Et puis c'est tout chaud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont fait match nul à 16 partout pour le retour du rugby international. La France au sommet en VTT, Pauline Ferrand-Prévot a conservé son titre de championne du monde de cross-country hier à Salzbourg en Autriche. Première couronne mondiale pour Jordan Sarrou chez les garçons. À 27 ans, il succède à Julien Absalon, lauréat en 2014. Enfin, c'est important, la France championne du monde de dégustation de vin à l'aveugle, Stéphane. Elle a conservé son titre hier au château Smith au Lafitte, près de Bordeaux. Une victoire en finale face à la Chine. Parmi les crus à reconnaître, un Tempranillo 2017 du domaine Picaro de la Guila en Espagne ou un Chardonnay 2016 d'Ata Rangi élaboré dans le Martinborough en Nouvelle-Zélande. On est bon. Yann Boucherie reviendra à 8h30 vous informer. Vous avez rtl.fr à disposition. Vous allez cliquer évidemment quand vous le souhaitez. La séquence lecture du dimanche matin, on va s'installer tranquillement. Des conseils arrivent, des rencontres aussi avec Bernard Lehu. À tout de suite. RTL Matin le week-end. C'est avec Stéphane Carpentier.